Cassaneur. Bonsoir. Pouf le Cascadeur. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais faire... Est-ce que je peux rajouter un poème imprévu? Allez-y si vous voulez vraiment... Vous êtes très beau, Pouf. Et vous avez pris... je sais pas, mais faites voir. Vous étiez en Afrique, ils vous ont mis quelque chose Ah oui, c'est beau, hein? Non, mais en 10 ans, vous n'avez pas changé. Non, mais c'est vrai, je vous trouve très, très, très pouf. Bonsoir. Bonsoir. Poème. Dominique, si j'étais Pinocchio, tu serais mon Gepetto en un peu plus gros. Merci de me faire vivre cet instant qui m'enivre. Et même... si j'ai pas peur, il est gravé dans mon cœur éternellement. Oh, merci. Aujourd'hui, je vais faire la cascade. Cascade. Forestier. Alors, bonsoir. Je prends les escabeaux, ça me fait des arbres. Je prends un petit bureau, ça me fait un arbuste. Enfin, je prends mon courage à deux mains, à présent. Ça me fait caguer. Comment s'appelle... c'est maintenant? D'accord. C'est aussi pourri qu'il y a 10 ans. Oui, je sais. Le truc, c'est qu'on a aussi peu répété qu'il y a 10 ans. Hein. Et j'espère qu'ils garderont tout ce qu'ils vont couper. Bonsoir. 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 Ah, d'accord. La cascade forestière, c'est lorsque je fuis mon couple au sommet des grands pins afin de prouver à ma belle que même si je la trouve potable, j'étais déjà amoureux de forestier hier et bien moins que demain. Oh. Alors, une question me vient à l'esprit, comment s'appelle votre belle, Pouf? C'est bien parce qu'il y a 10 ans, elle marchait pas cette vanne. Je vous remercie, hein, parce que mon amie, c'est vrai, hein, elle a fait des bides tous les soirs. Et là, 10 ans après, comme quoi, hein, avec un peu d'argent. Bonsoir. Comment ça... Bonsoir. Elle s'appelle Isabelle. Oh, Isabelle, c'est ma femme. Mais elle est enceinte. Ah bon? Bonsoir. Bonsoir. C'est très dangereux. Mais je vais quand même le faire. Non, 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 non. Exactement ce que je voulais faire. Bonsoir, Pouf. Pouf, Pouf, vous êtes vraiment très beau. Et puis alors, votre tenue vraiment saillante de rouge comme ça, avec vos couilles qu'on voit, qu'est-ce que c'est beau. Oui, mais on a peu de moyens. Comédie, mon écharpe rouge, on me l'a déjà volé. Alors moi, j'ai piqué ça à un des spectateurs, je ne sais même pas qui c'est. Ah oui, mais c'est à quelqu'un qui a une maladie. C'est à Émile Laforie. Ah, ouais, je ne sais pas qui c'est. Pouf. Bonsoir. Bonsoir. Hier soir, vous avez failli casser la scène. Elle est cassée. Elle est cassée, vous êtes passé à travers la scène. C'est formidable, ça, c'est beau. Hein. C'est comédie, pas d'argent, pas de scène, pas de vraie scène. Oui, c'est vrai, c'est un peu comme ça. Vous allez faire encore quelque chose ce soir? Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui... Mais vous allez faire une cascade, quelque chose comme ça Ça fait 10 ans qu'on répète. Ben oui, je sais, mais bon, allons-y. Bonsoir. Bonsoir. Oh, Est-ce que je peux rajouter un poème? Oh, non, parce que très honnêtement, les poèmes, c'est chiant. Ça fait longtemps qu'on fait ça. On ne peut pas aller directement à la cascade? Oui, mais là, c'est un bide. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Récitation. Récitation. Titre, Dominique. Dominique.
En 97, tu donnas naissance au Robin des Bois. En 2007, nous eûmes 10 ans et 2 mois. Aurons-nous des bébés en poussette en 2017? Continuerons-nous nous prendre le vrai en 2020? Pardon. Sors de moi! Sors de ce corps, Damien Bizet! C'est comme ça qu'il s'appelle? Oui, mais... Il s'appelle aussi Boris Barthélémy. Merci Arnaud Gidouin, auteur de ce bide. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais faire la cascade du roi Arthur. Oh. Bonsoir. Alors... Pardon, alors, pardon. S'il fait la cascade du roi Arthur, c'est parce que Arthur sera notre invité. Oh. Alors. Pardon, excuse-moi. J'essaye de faire mon métier. Et il y aura aussi Franck Dubosc. Et en fin d'émission, nous aurons peut-être le pape. Arrêtez, il va durer une heure, donc ne riez plus. Bonsoir. Bonsoir. Je prends des chaises. Je prends des chaises. Bonsoir. Pardon. Pardon. Bonsoir. Je prends des chaises. Je prends des chaises, ça me fait un rocher. Je prends un escabeau, ça me fait une fente. Oh. Je prends un bâton de ski, ça me fait Excalibur. Oh. Et enfin, je prends mon courage à deux mains, ça me fait... Caguer. Bonsoir. 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 Alors, la cascade du roi Arthur, c'est lorsque je détrousse le rocher d'une épée afin de prouver à ma belle que... C'est pas parce que tu retires ta lame de son étui que tu vas forcément tremper ton biscuit. Excusez-moi, j'ai une phrase, je sais. Merci, Soren Prévost. Ah, putain, mais... Bonsoir. Oui, c'est ça, vous avez pris les meilleurs auteurs de comédie. Eh oui. Je sens... Quand les Robins des Bois sont partis, les souris dansent. Ben oui, c'est ça. Comment s'appelle votre belle pouf? Bide. Comment? Bide. Enfin, je veux dire, vous venez de faire un bide. Mais non, je dis mon texte. Comment s'appelle votre belle pouf? Hier, ça a fait rigoler. Mais non, mais le vrai problème, c'est quand on l'a fait deux jours de suite, ça marche moins bien. Je préférais les deux vieilles, hein. Sans déconner, pour ceux qui étaient là au début, ceux qui ont vu les premières émissions, on avait deux vieilles formidables. Ça se passait très bien, elles étaient très peu payées. Bon, on s'amusait beaucoup. Bonsoir. Mieux. Bonsoir. Comment s'appelle votre belle pouf? Myriam. Myriam, est-ce que c'est un message? Ça veut dire Marie en hébreu et en arabe. Oh. Bonsoir. Ah, c'est un vrai message. Elle joue de la batterie? Bonsoir. Bonsoir. C'est très dangereux. Mais je vais quand même le faire. Ouais. J'ai vieilli. On est en direct ou pas? C'est direct. Quel malade mental, mais quel malade mental, mais quel malade mental.
Pouf, pouf, une question avant que vous lanciez. J'aimerais acheter votre appartement en viager rue des Martyrs. Vous l'avez vendu? C'est pour toi. Je le prends. Je te le donne. Bonsoir. Bonsoir. Putain, il va falloir faire des coupes. Allez. Non, 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 non.